Alors dans notre dernier entretien, nous évoquions tout le travail de l'encyclopédie, qui est un travail dans lequel se trouve être mis de l'avant le rapport entre la musique et l'écriture sur la musique. Et une des préoccupations que j'ai eues aussi de façon constante à travers ma carrière, c'est précisément le lien de la musique avec les autres formes d'expression, y compris justement l'écriture, mais pas seulement. Alors je voudrais simplement donner un aperçu de ce travail. Premièrement, j'ai créé au Québec deux revues. Je n'ai d'exemplaires que de la première ici, parce que l'autre est dans une bibliothèque en dehors de cet appartement. J'ai créé la revue de musique des universités canadiennes, qui s'appelle aujourd'hui Intersection, et qui se voulait, et qui a été, et qui est toujours une revue de musicologie. Ce ne sont pas des numéros thématiques, ce sont des numéros qui, de manière classique, qui réunissent des articles de contributeurs, et je pense avoir contribué dans ses débuts au développement d'une musicologie québécoise et canadienne par le biais de cet organisme. L'autre qui est très proche d'une préoccupation qui a longtemps été la mienne. Vous avez vu que j'avais commencé l'encyclopédie de la musique avec le 20e siècle. Et j'ai toujours été interpellé, comme on dit, par la musique contemporaine, par les enjeux de la musique du 20e siècle et les problèmes de ses rapports avec le public qui sont difficiles, comment comprendre, comment justifier des musiques qui vont à l'encontre des habitudes du mélomane habitué aux musiques tonales, aux musiques baroques, classiques, romantiques. Et j'ai créé à un moment donné avec des collègues à l'Université de Montréal une revue qui s'appelle Circuit, revue nord-américaine de musique du XXe siècle, qui a mis l'accent sur la production de musique contemporaine québécoise. Et alors là, c'était des numéros thématiques. Le premier avait commencé, on était en pleine émergence du postmodernisme. Il y a eu des numéros consacrés soit à des compositeurs particuliers, soit à des thèmes. Et je me réjouis, je souligne le fait que cette revue existe toujours. Elle est la seule revue consacrée à la musique contemporaine qui ait survécu. Toutes celles qui s'étaient créées en France, Musique en jeu, Contre-champ, enfin, il y a toute une série de revues qui avaient émergé avec la montée de la modernité, du modernisme dans les années 80-90, eh bien celle-ci est la seule qui subsiste. Voilà, alors évidemment, il y a la volonté de tout le monde, il y a eu d'excellents rédacteurs en chef qui m'ont succédé, actuellement Jonathan Goldman qui fait un travail considérable, la volonté des presses de l'Université de Montréal que de faire cette revue. Alors, parallèlement, donc je voulais qu'il y ait une réflexion sur les musiques d'aujourd'hui ici au Québec, et ceci était parallèle avec un autre intérêt que j'avais, puisque je me suis penché d'assez près sur le travail de Pierre Boulez. Pierre Boulez, qui est quand même quelqu'un d'assez étonnant, parce que c'est un compositeur qui bouleverse complètement l'écriture musicale à partir de 1947-1948. Il s'est avéré à partir de 1963 comme étant un immense chef d'orchestre qui a mis la musique contemporaine, la musique du XXe siècle, au programme d'énormément de concerts, mais on lui doit aussi, il a été le chef d'orchestre de cette tétralogie historique du centenaire à Bayreuth, dont on a parlé dans un autre entretien. Il a fait des productions tout à fait fondamentales, des opéras d'Alban Berg, Loulou, Wozzeck, Parsifal, Janáček, etc. Mais c'est
très grand chef d'orchestre. Il a dirigé le Philharmonique de New York, le Philharmonique de Londres. Il a dirigé à Berlin, enfin vraiment partout, au sommet des grands orchestres mondiaux. Mais c'est aussi à la fois un essayiste, c'est aussi un écrivain. Et c'est une dimension, bien sûr, en tant que musicologue, qui m'a intéressé dans le travail de Boulez. Il a publié énormément d'articles. Et lorsque je l'ai approché en lui disant que je voulais aller étudier la tétralogie qu'il avait faite avec Patrice Chéreau à Bayreuth, il m'a dit « Ah, ben, je suis très content que vous me parliez parce que j'ai une proposition à vous faire. » Décidément, il y avait Einaudi qui m'avait proposé l'encyclopédie à un moment donné. Et là, pas du tout pour les mêmes raisons. Il m'a dit « Ben voilà, je voudrais créer une collection de musicologie. » Une collection d'écrits, pardon. Je voudrais créer une collection d'écrits sur la musique ou d'études sur la musique. Alors, je me suis trouvé à publier des tas d'écrits de musiciens. Je ne vais pas les faire défiler à l'écran parce qu'il y en a une étagère entière, des textes de Varese, de Kagel, de Steve Reich, de gens comme ça. Mais ce qui, personnellement, m'a beaucoup occupé, ça a été de faire l'édition des textes de Pierre Boulez, de les rassembler. Alors, on peut voir un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est très gros. Bon, le premier volume, ça a été les points de repère, qui était une édition qui a très, très vite explosé. Boulez était très, très, je dirais pas à la mode, mais il était très médiatisé en France au moment où c'est sorti. C'est un premier volume de 1981, ce qui fait qu'on a fait ensuite une réédition où ce premier volume a éclaté en deux, avec donc point de repère, ça s'est appelé Imaginer, et ce sont tous les textes sur ses compositions, sur ses œuvres, sur ses principes théoriques. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Regard sur autrui, ce sont tous les textes de Boulez sur d'autres compositeurs que lui. Alors, les textes sur Wagner, Debussy, Schoenberg, Varese, etc. Les textes de Boulez ont un certain succès parce que c'est un écrivain. Il faut bien dire que c'est quelqu'un qui a une écriture, un style personnel et une manière d'aborder l'écriture sur la musique qui n'est pas celle d'un musicologue, c'est pas celle d'un musicographe, c'est pas celle d'un journaliste. C'est quelqu'un qui a développé un style d'essai sur la musique parfaitement original. Et son œuvre, je dirais littéraire, comme telle, mérite d'être considérée et d'être promue. Dans la foulée de ses publications, de ses écrits, j'ai fait, il y a eu deux volumes d'ailleurs, je vous montre le deuxième, il y a eu une édition de ces points de repère 3, qui sont ça s'appelle Leçon de musique, c'est l'édition de ses cours du Collège de France, puisqu'il a été professeur au Collège de France. Édition un petit peu spéciale, en ce sens que les gens qui ont assisté à ces cours ont été un peu surpris par le contenu du livre, parce qu'ils n'y ont pas retrouvé ce qu'ils avaient entendu. C'est simplement que Boulez a souhaité que ce que l'on publie... il avait une technique très, très particulière pour faire ses cours au Collège de France. Il avait un texte de 20 à 25 pages devant lui. Et ces 25 pages, il les développait en 9 séances d'une heure de cours. Donc, il avait le canevas. Il faisait énormément de digressions à partir de ce qu'il avait fait. Et ce qu'il a souhaité, heureusement pour moi, ce qu'il a souhaité qu'on publie, c'est les textes à partir desquels il a fait ses cours, qui sont beaucoup plus synthétiques. Hein. Et j'ai les bandes de ses cours au Collège de France, mais ça fait une armoire entière. Hein, de petites cassettes. S'il avait fallu transcrire et publier ça, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça aurait eu un intérêt. Si ça peut avoir un intérêt historique, il faudrait que quelqu'un en fasse un jour l'étude. Mais cette édition de ses cours du Collège de France, c'est les textes à partir desquels il a improvisé ses cours. Voilà. Et puis, alors, ces éditions de textes, je dirais que ce ne sont pas des éditions critiques. Quand on publie des écrits de quelqu'un, en général, on va remonter aux esquisses, on va faire des notes sur les différences entre les différentes versions d'un même texte. Enfin, ce qu'on trouve excellemment dans la bibliothèque de la Pléiade, par exemple, que de tenir compte des variantes, les fameuses recherches sur les variantes. Là, il n'était pas question que je fasse une édition critique, parce que ce que Boulez voulait, c'est qu'on publie ses textes. Donc, à chaque fois que j'ai fait ces volumes, il les a relus. Il les a relus, il les a corrigés.
Alors, donc, il n'était pas question de faire une confrontation entre ce qu'il avait pu écrire ou dire à un moment donné et ce qu'il a souhaité que l'on publie. Et ça, ça vient de ce que c'est l'édition de texte fait du vivant de quelqu'un. Il ne s'est pas posé lui-même en monument historique que l'on traiterait d'un point de vue philologique et critique. Et il dit, ben, voilà, ça, c'est les idées que je veux véhiculer, c'est ce que je pense à maintenant. Alors, évidemment, quelqu'un pourrait s'amuser à faire une étude entre les versions originales et ce qui se trouve dans les volumes que j'ai publiés, mais j'insiste, ça n'est pas une édition critique. Par contre, il y a quelque chose qui est une édition critique, c'est que en préparant, en fouillant dans les archives personnelles de Pierre Boulez pour trouver tous ces articles et pour les réunir en volume, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. C'est que les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas à l'époque, c'est que Pierre Boulez a été copain avec un autre compositeur qui incarne au point de vue esthétique l'opposé de l'esthétique de Pierre Boulez, c'est John Cage. Qui d'ailleurs, je pense que John Cage, pour les générations actuelles, est peut-être beaucoup plus connu que ne peut l'être Pierre Boulez. Mais personne n'avait imaginé qu'il y ait eu un dialogue d'amitié et esthétique entre deux personnalités aussi opposées que Boulez et Cage. J'ai donc mis dans les archives de Boulez, il y avait les lettres qu'il avait reçues de Cage. Et en me renseignant, j'ai su que les lettres de Boulez à Cage étaient dans une bibliothèque universitaire américaine. Alors bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'avion, puis on va les chercher. Et ça a donné une édition critique de la correspondance entre Boulez et Cage. Alors bon, il y a multiples traductions, multiples rééditions, etc., etc. Parce que comme ce sont tous les deux, à des titres divers, deux monuments de la musique du XXe siècle, c'est évident un maillon tout à fait important de la musique du XXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est le volet Boulez de mon travail. Alors, dans cette foulée de mon intérêt sur Boulez, bon, j'ai des articles, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, j'ai eu envie, à un moment donné, j'avais envie de faire un livre d'art. Donc, parce que j'en faisais pas assez, n'est-ce pas? Donc, je voulais faire un livre d'art, et ça a donné ce bouquin qui a été publié à la Galerie Simon Blé, ici à Montréal, que j'ai appelé « Quête d'absolu », dans lequel j'ai réuni... Alors, il y a le facsimilé d'une œuvre de Pierre Boulez qui s'appelle « Anthème ». Il y a les gravures d'une artiste québécoise qui s'appelle Carole Bernier, qui s'est inspirée pour les faire de l'écoute de cette œuvre de Boulez qui s'appelle Anthème pour violon. Il y a des textes de quelqu'un que je considère comme un immense poète français, qui est Yves Bonnefoy, qui est assez proche de l'esthétique de Boulez par certains aspects. Il y a un texte de Pierre Bonnefoy sur poésie et musique. Il y a des poèmes de Bonnefoy. Oh, savez-vous quelque chose? On va se faire plaisir. Hein, je vais vous lire ce que je considère comme étant peut-être un des plus beaux poèmes de la langue française. Vous me permettez de faire cette discrétion. Voilà. Alors, Yves Bonnefoy a été bouleversé, il y a de quoi, par une grande cantatrice qui est décédée d'un cancer de la gorge, qui s'appelle Kathleen Ferrière. C'est une contralto, et elle a fait un disque très très célèbre de musique de Gustav Mahler, disque dirigé par Bruno Walter. J'ai réussi à trouver une version inédite de cet enregistrement, de ce disque de Kathleen Ferrière, et il est inclus dans ce... voilà, c'est l'adieu du chant de la terre de Gustav Mahler, et il est inclus parce qu'il y a deux petits disques inclus dans ce livre d'art. Et je trouvais intéressant de donner à entendre les œuvres qui avaient pu inspirer Yves Bonnefoy, y compris cette œuvre de Mahler. Il y a ce texte sur poésie et musique de Yves Bonnefoy. Et puis, il y a ce texte qu'il nous a autorisé à reproduire, auquel on en a ajouté un autre, qui est un texte inédit qu'il a écrit pour ce bouquin. Mais je vais vous lire le plus beau, il y en a trois, le plus beau des trois.
parce que c'est la minute des grands. Toute douceur, toute ironie se rassemblait pour un adieu de cristal et de brume. Les coups profonds du fer faisaient presque silence. La lumière du glaive s'était voilée. Je célèbre la voix mêlée de couleurs grises qui hésite au lointain du chant qui s'est perdu. Comme si, au-delà de toute forme pure, tremblât un autre chant et le seul absolu. Ô lumière et néant de la lumière, ô larme souriante plus haut que l'angoisse ou l'espoir, ô signe, lieu réel dans l'irréel au sombre, ô source quand ce fut profondément le soir. Il semble que tu connaisses les deux rives, l'extrême joie et l'extrême douleur. Là-bas, parmi ces roseaux gris dans la lumière, il semble que tu puises de l'éternel. Oui, alors ça, c'est de la très grande littérature. Alors ça vous explique que j'ai voulu aussi travailler, j'ai travaillé sur Boulez par admiration pour lui et pour sa musique, j'ai voulu travailler sur Yves Bonnefoy parce que c'est un grand poète et qu'il a dit et écrit des choses magnifiques sur la musique. Et le volume se termine avec un long essai qui s'appelle « La promesse du seuil ». Sous-titre « Musique et poésie dans la pensée et l'œuvre d'Yves Bonnefoy ». Donc c'est pour moi la réunion avec en plus des œuvres plastiques qui ont un lien avec Boulez, qui sont publiées dans ce beau volume, enfin que, pour lequel j'ai une certaine tendresse. Ce n'est pas un travail scientifique comme tel, mais c'est une rencontre entre de très très grandes personnalités du XXe siècle. Alors, à travers cet exemple de Kathleen Ferrière, vous aurez compris que je ne suis pas insensible à la littérature. Je suis aussi sensible à la qualité de l'écriture sur la musique. J'ai toujours sanctionné assez sévèrement mes étudiants en musicologie quand ils écrivent mal, en leur disant « mais faites-moi donc le plaisir de faire un effort pour écrire bien ». Et je les ai souvent tisonnés. Ah, oh, mais monsieur, vous nous corrigez pour des maladresses de français. Mais oui, cher monsieur, un bon musicologue, c'est quelqu'un qui... Je ne vous demande pas d'être les Victor Hugo de la musicologie, mais je vous demande d'écrire un français très correct. Et si ce français peut être brillant, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Il n'y a pas de raison de ne pas bien écrire sur la musique. Alors, ce lien... de mon travail, de mes entreprises sur la musique et sur la musique et la littérature, il s'est traduit de trois façons différentes. Alors d'abord, il y a un petit livre qui s'appelle « La musique et le discours », avec comme sous-titre « Apologie de la musicologie », apologie ne devant pas être pris au sens anglais, bien entendu, mais bien au sens français de « déloge de la musicologie ». C'est la réunion en une cinquantaine de pages, la refusion de textes que j'ai prononcés à l'occasion de remises d'un certain nombre de prix ou de distinctions, dans lequel mon objectif était d'expliquer aux gens ce que c'était que la musicologie. Et je l'ai fait, c'est vraiment un texte qui peut être lu par des gens qui ne connaissent pas la musique et qui ne connaissent pas la musicologie. C'est fait aussi sous le signe de l'écriture. Je vous en lis la dernière phrase, que j'avais fait à l'Académie des Lettres du Québec. J'espère, par mon travail, avoir réussi à démontrer que l'écriture du discours sur la musique est aussi légitime que l'exercice de la critique littéraire, de l'histoire de l'art, de la philosophie ou de chacune des sciences humaines, mais aussi, et ce n'est pas incompatible, que la musicologie a droit de citer dans le royaume des sciences, mais aussi dans la République des lettres. Alors, c'est ça que ce petit bouquin essaie d'illustrer. Alors, donc, contact entre musicologie et écriture et littérature. Alors, ça s'est traduit de différentes façons, à des époques différentes. Je commencerai par ce livre qui a été publié à Montréal chez Fides, à la demande de Naïm Katan. La musique, les images et les mots, c'est un recueil d'articles sur des liens entre la musique, la peinture et la littérature. Alors, on y retrouve le texte sur Yves Bonnefoy que je vous ai signalé tout à l'heure, mais il y a une longue étude sur Paul Klee. Et le texte, ça s'appelle « Pierre Boulez à l'écoute de Paul Klee », c'est-à-dire, c'est l'étude de ce que Boulez a dit
d'un point de vue de musicien sur les œuvres abstraites de Paul Klee. Je tenais évidemment beaucoup à ce que le Québec soit présent. Et il y a un autre travail sur quelqu'un qui est considéré comme le fondateur de la gravure au Québec, c'est Yves Gaucher. Et il se fait que l'œuvre de Yves Gaucher, il est décédé maintenant, il a eu son heure de gloire, c'est quelqu'un qui s'est inspiré de Webern, le compositeur de musique sérielle, le disciple de Schoenberg et de Berg. Et ça m'intéressait d'étudier quel lien il pouvait y avoir entre la musique de Webern et ce que Gaucher a fait au point de vue représentation plastique en disant explicitement qu'il s'était intéressé à Webern. Il y a aussi une étude sur un problème qui a énormément occupé la musicologie ces dernières années, je dirais presque ces derniers 15 ans, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis à parler de narratologie en musique. Et vous retrouvez un peu ici ce fil, cette espèce de prudence que j'ai de l'utilisation, par exemple, abusive de la linguistique dans la musicologie. Et y a-t-il lieu de parler de narration en musique ? Alors, il y a évidemment des points d'analogie entre les deux. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui font que c'est une peut-être par abus de langage que l'on va parler de récit musical. Et il y a là une étude sur ce problème. Ça s'appelle récit musical, récit littéraire et récit musical dans lequel récit est entre guillemets. Donc, il y a cette étude là-dessus. Alors après, il y a des études sur toute une série d'opéras. Il y a un résumé de Wagner Androgyne. Il y a une étude sur le lien de la poésie et de la musique chez Richard Strauss. Et puis, le texte sur Yves Bonnefoy que j'ai repris dans ce volume. Donc, ce sont des sujets un petit peu diversifiés, mais qui ont pour objet les frontières, les points de passage entre des choses que, quelquefois, on associe et qui sont la musique, les œuvres plastiques et la littérature. Alors, sur la littérature proprement dite, assez tôt dans les années 80, il se fait que j'avais lu et étudié de près dans mes études de littérature quand j'étais beaucoup plus jeune, à Aix-en-Provence, j'avais regardé de près l'œuvre de Marcel Proust, que je considère comme étant probablement un des sommets de la littérature, non seulement de la littérature française, mais peut-être davantage. Et j'ai fait une lecture, une relecture de La Recherche du Temps Perdu, des 7 volumes de La Recherche du Temps Perdu, pour voir quel était le rôle que jouait la musique. Et j'en étais arrivé à l'idée que j'avais développée dans un séminaire ici à l'Université de Montréal, et c'est ce qui fait que j'ai écrit ce petit livre, pour démontrer que, vous savez, tout le monde a entendu parler de ça, il y a dans La Recherche du Temps Perdu la fameuse petite phrase, la petite phrase de Vinteuil, n'est-ce pas, que Swann a entendue dans un concert, et cette petite phrase de Vinteuil, cette phrase musicale de Vinteuil, va parcourir toute la recherche sous des transformations, des manifestations différentes. Et alors, je me suis aperçu, j'ai fait l'étude de tous les textes, il y en a à peu près une dizaine, dans lesquels Proust décrit la petite phrase et les œuvres où se trouve insérée cette petite phrase. Et là, c'est là où le musicologue intervient, c'est que je me suis aperçu que les premières descriptions de la sonate, de la petite phrase de la sonate de Vinteuil, sont inspirées par la musique de Debussy. Dans une deuxième phase, il s'inspire de Wagner. Et dans une troisième phase, il s'inspire des quatuors de Beethoven. Alors, il y a une conclusion qui est absolument évidente et fascinante, c'est qu'il remonte le temps. Il commence par une musique qui est descriptive. Il y a des emprunts à la mer, au poème symphonique de Debussy. Donc, une musique qui nous renvoie au monde réel d'un point de vue iconique, du point de vue d'une certaine forme d'imitation. Avec Wagner, eh bien, avec la technique du leitmotiv par lequel Wagner évoque des idées dont certaines sont parfois des idées très très précises qui sont véhiculées par des motifs, il est en train de rapprocher la musique du langage.
Alors évidemment, on retrouve ma préoccupation pour les rapports entre musique et langage. Mais finalement, le point d'aboutissement de cette quête de la musique à travers la recherche du temps perdu, c'est Beethoven, mais sous sa forme la plus abstraite, sous la forme de la musique pure incarnée par les quatuors. Puisqu'on fait souvent, dans le discours critique sur la musique, on considère que les quatuors de Beethoven, c'est en quelque sorte la quintessence de la musique comme système formel. Alors, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que, au fond, Proust remonte le temps et il va d'une conception, je dirais, réaliste de la musique à la conception la plus abstraite et en rejoignant, en quelque sorte, l'absolu musical. Alors, c'est ce que ce livre tente de démontrer. Alors, il y a eu une autre incursion dans les rapports avec la littérature, là, qui nous fait quitter un peu la musicologie comme telle, même si quelqu'un qui connaît mon travail va retrouver de la musicologie là-dedans. J'ai commis un roman. J'ai écrit un roman qui s'appelle Opéra. Alors, c'est l'histoire d'un c'est l'histoire d'un compositeur qui n'arrive pas à écrire un opéra. C'est d'une cantatrice qui rate sa carrière comme cantatrice et d'un critique, pour ne pas dire un musicologue, d'un critique qui n'arrive pas à s'expliquer pourquoi l'opéra est humide. Alors, il y a toute une... il y a une histoire d'amour, il y a une sorte de métaphore de la recherche scientifique à travers du personnage du critique. Le roman lui-même, il est construit sur le plan d'une œuvre de musique contemporaine que les spécialistes connaissent. Donc, je me suis amusé à m'en inspirer dans la construction de ce roman. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre de la littérature française, loin de là, mais je me permets de dire que je me suis beaucoup amusé à le faire et que ça a été une autre façon pour moi de penser le rapport de la musique, de la musicologie, de l'écriture et de la littérature que de faire une œuvre de fiction.